Bienvenue sur les ondes d'Énergie Corse et Agorciga TV. Aujourd'hui, bien sûr, dans le cadre du Sporting Club Bastiais, nous accueillons Anthony Roncaglia et Tom Ducrot. Patrice avec nous, avec Jean-Baptiste. Nous allons essayer de parler un petit peu du Sporting et essayer de voir un peu, parler de vous, parler du club, parler de la dernière victoire à domicile, parler d'avenir et parler un peu de l'évolution et de la période que nous avons connue, que vous avez connue, qui n'était pas trop facile, cette victoire qui nous permet de revoir un peu un avenir avec une vision un peu plus sereine. Alors, je m'adresse à vous deux avant de passer la parole à Patrice et à Jean-Baptiste. Alors, ça a été quand même un moment difficile. Qui c'est qui veut répondre de vous deux? Un moment difficile sur la période, quatre défaites pardon, consécutives. C'était un mauvais moment qu'il fallait digérer. Oui, oui. Bah, là, depuis que je suis arrivé ici au Sporting, c'est ma quatrième saison. Et c'était la première fois qu'on connaissait quatre défaites d'affilée. L'année dernière, on a eu dans la même période trois défaites aussi. Donc c'était pas une période facile, il y a eu beaucoup de doutes aussi au sein du vestiaire, donc comme on peut se douter. Mais après je pense qu'on a eu une plutôt bonne réaction à domicile là le dernier match pour pouvoir retourner la situation et enfin casser cette série pour engager une autre série positive, j'espère. Anthony, toi ta vision doit être un peu différente. Cette année le coach te fait confiance, donc tu rentrais dans une période qui n'était pas facile. Comment vois-tu un peu par rapport à l'an dernier, par rapport à cette année, cette période, comment tu l'as vécu et comment après on parlera d'avenir? Bah, c'est sûr que ce n'était pas une période facile, d'autant plus que moi je suis Bastiais, on sait tout ce qui se dit autour, tout ce qui se dit sur le Sporting. Il fallait qu'on remonte à tout prix la pente. Et cette victoire nous donne un souffle pour, comme il a dit Tom, engager une bonne spirale, j'espère. Et après, c'est sûr que pour le moral et tout, quand tu perds quatre fois d'affilée, le moral, il était au plus bas et il fallait qu'on reste mobilisé quoi qu'il arrive pour gagner et pour redonner un peu de plaisir aux gens. Justement, tu parles de morale. La question que je vais aborder et qui je crois connaître la réponse, vous allez nous le dire peut-être tous les deux, on parle justement au niveau du moral. Est-ce qu'il y a eu quelque chose où, à un moment donné, ou dans les vestiaires, au sein du groupe, il y a eu des pics où il n'y avait pas forcément la meilleure des ambiances au sein du groupe? Non, je dirais pas que c'était... Pas la meilleure ambiance, c'est normal dans le sens où on connaît quatre défaites, donc on ne peut pas travailler comme si on était en haut du classement. Donc pas une bonne ambiance, ça c'est sûr. Mais après, je pense qu'on a continué à travailler. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu beaucoup de chamboulements cet été au sein du vestiaire, au sein du groupe. Il y a eu beaucoup de, entre guillemets, titulaires aussi qui sont partis, beaucoup de nouveaux. Tom, on va l'aborder si tu veux. Je vais peut-être préciser pour qu'on passe ce cap-là. Des vestiaires, bien sûr que quand tu parles de mauvaise ambiance, on a bien compris que c'était les résultats qui engendraient ça. Ce que je vais dire pour préciser, pour que vous nous disiez ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a eu à un moment donné des problèmes entre membres du groupe qui font que, et après on changera de sujet? Non, des problèmes, non. Après, à l'entraînement, il peut y avoir quelques, par exemple, un duel ou quoi que ce soit un peu trop appuyé, par exemple, et que ça chamaille deux minutes entre deux joueurs, mais ça arrive même dans les bonnes périodes. Donc ça, c'est pas des problèmes profonds, je dirais, de vestiaire. Mais ensuite, non, il n'y a pas eu de gros problèmes qui étaient soi-disant dits, mais non. Voilà, en gros, tout ce qui a été dit, c'était un peu... Voilà. Oui, ça a été très, très amplifié et remixé. Même il y a eu des rumeurs ouais, un même peu fausses. Donc, monté en épingle, quoi. Oui, c'était... On n'a pas trop compris pourquoi il y a eu beaucoup de soi-disant oui. Rumeurs. Mais après, nous, au sein du vestiaire, il faut qu'on reste soudés. Il ne faut pas qu'on écoute, entre guillemets, ce qui se dit sur nous à l'extérieur. Ben, il faut qu'on reste soudés et qu'on travaille tous ensemble et qu'on tire dans le même sens. En tout cas, c'est ce que vous nous avez montré lors de la dernière rencontre contre Annecy. Les images qu'on a vues, les actions qu'on a vues, les réactions entre partenaires nous semblent à 100 lieues de l'épisode catastrophique qu'on nous dépeignait, certains, Anthony. Bah oui, on a vu que dès qu'il y avait une petite embrouille sur le terrain, bah, il y avait tout le monde qui arrivait en courant, tout le monde qui faisait front. Je pense que c'est
comme dans tous les groupes ou à l'entraînement, ben, il y en a quelques-uns, ben, tu peux t'entendre moins bien avec une personne, mais c'est pas pour autant que tu vas te battre avec la personne. Tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour, il y a zéro problème. Alors justement, sur ce point négatif, on va dire sur ces 4 matchs consécutifs de défaite, le coach, le discours du coach pour tenir justement le groupe, pour rebondir, comme l'a dit Bernard, face à ce match contre Annecy, où vous avez donné une belle prestation et remonté un peu cette pente qui était descendante. Quel était le discours du coach? Parce qu'on sait que ça a été compliqué. On encaisse 4 buts contre Pau, on prend 3-0 face à Laval. Ça faisait un moment que le Sporting n'avait pas encaissé 4 buts à domicile. Comment justement on essaie d'appréhender tout ça et le discours du coach, comment il est passé justement pour rebondir contre Annecy? Bah, le discours du coach, il était clair. Il voulait aussi nous bouger, nous montrer que ici, voilà, il faut prouver, il faut mouiller le maillot. Mais dans un deuxième temps aussi, il voulait un peu nous rassurer. Par exemple, quand on a travaillé pour préparer la CA, on sentait qu'il voulait un peu se rassurer aussi défensivement parce que on avait encaissé quand même beaucoup de buts, beaucoup d'erreurs, donc beaucoup de coups de pied arrêtés aussi. Donc on sentait qu'il voulait travailler certaines choses et se rassurer aussi et mettre de la densité par exemple dans le milieu pour ensuite contrer avec de la vitesse devant. Mais après, bah, ça ne s'est pas passé comme prévu avec le carton rouge, mais après ça c'est des faits de jeu. Mais voilà, le coach il a su nous remobiliser, il est resté soudé aussi avec nous, il a fait front avec nous et c'est lui qui a emmené tout le monde avec lui pour remonter la tête de l'eau. Justement, comme il disait Tom, Anthony, il y a aussi un bas blesse, c'est les coups de pied arrêtés. Le Sporting a encaissé énormément de coups de pied arrêtés lors de ces 4 dernières rencontres et même la dernière rencontre face à Annecy. Comment justement ça aussi on essaie de le préparer en se disant il faut avoir le clean sheet, plus encaisser de buts et justement essayer de revenir à un goal average assez normal quoi. Ouais, après comme il a dit Tom, la semaine de la CA on avait travaillé beaucoup les coups de pied arrêtés. Après c'est vrai que on n'est pas très bon sur coups de pied arrêtés offensifs et défensifs parce que même offensifs ils sont bien tirés et on en touche, on n'arrive pas à les toucher. Donc je pense que c'est des points où on va devoir bosser, mais maintenant qu'on a relevé la tête de l'eau, où on a repris un peu confiance en nous, je pense que c'est des points où on va accentuer. Comme par exemple là en ce moment à l'entraînement on travaille les touches. On sait que sur les touches on a un déficit. Et c'est des points qu'on travaille. Mais quand on gagne et tout, c'est plus simple de travailler nos points négatifs plutôt que de faire dans l'urgence quand on perd. Bon alors, on a passé en revue cette période. On a parlé des vestiaires. On a parlé de relations entre joueurs, on a parlé de ses défaites, on a parlé de nos défauts. Tom, tu le disais tout à l'heure, il y a quand même cette équipe qui a été retouchée dans tous les compartiments, on va dire, puisque la dernière interview qu'on a fait ici, que nous faisions régulièrement avec le club, c'était avec le coach. Qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il fallait compenser les départs, défense, milieu, attaque. Il y avait que côté gardien, où le coach disait, là on a des problèmes de riches, c'est ce qu'il disait. Donc, je ne pense pas qu'il ait une vision, mais c'était vouloir dire que, et ça a été redit par le président, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'interview que nous a fait fort gentiment le président, c'est que la période de recrutement n'a pas eu les retours espérés. Donc, aujourd'hui, pour que le groupe puisse avoir une saine émulation comme on l'avait l'an dernier, il va falloir compenser certains départs. Alors comment vous voyez les choses? Enfin, on va parler peut-être du milieu, après on parlera peut-être en défense. Mais peut-être qu'aussi tout ça, ça fait évoluer les choses. Peut-être qu'aussi, Anthony, ça te permet à toi d'avoir la confiance du coach, puisque tu es monté quand même d'un cran, tu as une titularisation qui est plus importante. On va commencer déjà avec Tom pour parler un peu de l'évolution du milieu. Non, bah après, l'année dernière aussi, on a rectifié le recrutement. On a complété avec Capit et Flo, Bonnert. Et je pense que aussi, ces deux recrues-là, ils nous ont donné quand même beaucoup de bien en seconde partie de saison. Et je pense que le club va réadapter la même stratégie, je dirais, cette saison. Je pense qu'il le voit qu'on a besoin de renfort. Et je pense que certaines recrues peut aussi redynamiser le groupe, remettre de la concurrence. Et voilà, la concurrence, de toute façon, ça fait monter tout le monde. Et je pense qu'on en a encore besoin cette année. Pour parler de recrutement, après Anthony, tu nous donneras ton avis. Parler de recrutement, on a parlé avec le coach et le président.
il est reconnu par les dirigeants, donc coach et dirigeant et président, qu'ils étaient sur un joker. Quand je dis un joker, ils n'ont pas trop précisé, mais je pense que c'est quelqu'un, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, je peux me tromper, qui va être dans la zone offensive. Donc, ou défensive, peut-être, je ne sais pas. On va voir les deux, parce que je crois qu'il faut miser sur les trois zones, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Anthony, parlons un peu justement de cette évolution qui amène aussi que tu aies la confiance du coach. Toi, comment tu vis ça par rapport à l'an dernier? Parce que l'an dernier, c'est pas un secret que de dire, comme tout joueur, tu rongeais ton frein parce que tu n'avais pas, je dirais, un nombre de temps. Puisque par exemple, allez, cette année, où tu es? Cette année, donc, Anthony, 7 titularisations, 8 matchs joués. Donc, par rapport à l'an dernier, c'est énormément plus. Je crois que c'est plus que toute l'année l'an dernier, j'ai l'impression. Oui, oui, après, c'est sûr, l'année dernière, je suis tombé au moment où on faisait une grosse saison, au milieu, ils étaient bons. Quand on faisait appel à moi, j'essayais de répondre au mieux. Mais après, c'est sûr qu'il y avait une dynamique où on faisait que gagner, on a frôlé la montée. S'il y avait des playoffs, on aurait pu les jouer. Ouais. Et cette année, je suis content de jouer. Et après, on m'a repositionné à un poste plus bas, je suis content. Moi, je prends ce qu'il y a à prendre. Je suis content qu'on fasse appel à moi. Là, comme je l'avais dit, malheureusement, je suis tombé dans une phase où on perdait souvent, donc c'est pas facile de profiter, etc. Mais une fois que tout sera rentré en ordre et qu'on recommencera à gagner, je suis content et voilà quoi. J'ai fait une petite aparté sur l'an dernier, tu as parlé des playoffs. Figure-toi que j'ai fait une ou deux fois un cauchemar en disant qu'on faisait les playoffs et en plus qu'on se qualifiait. Et tout. C'est un cauchemar parce que ça peut pas exister. Oui, donc, quoi. C'était la mauvaise saison. Que si c'était cette année, Bédégué Fouria. Donc, on a eu un peu, justement, et on va parler un petit peu de toi, avant qu'on parle un peu plus de Tom tout à l'heure, on va parler un petit peu de toi. Quand il y a eu, justement, parce que c'était lors du derby, qu'il y a eu cette loupe sur toi, le dernier derby, c'est quand même rageant, quand même. On va faire une petite aparté, parce que j'ai senti quand même, à travers les propos de tout le monde, Tom, tu l'as redit, cette expulsion, on va essayer d'être objectif, que l'on peut comprendre sur l'instant, sauf si on est bien placé. Si on est bien placé, ça paraît quand même plus que dur. Sur Ajaccio, ça tombe pas simple. Ouais, surtout que on voulait se racheter de nos 3 défaites d'avant. On avait un derby pour se racheter, on s'est loupé. Après, c'est sûr que je me cache pas derrière l'arbitre, mais nous, ce week-end, il y a eu deux grosses fautes, une sur Dimitri et la deuxième, je sais plus sur qui. Félix. Où c'est deux grosses fautes, surtout la première où on voit que il le prend en haut du corps comme contre la CA. Nous, c'est rouge contre nous et là, c'était un jaune, mais les choses ne tournent pas en notre faveur pour l'instant. Mais peut-être que ce carton jaune se transformera en rouge prochainement. C'est difficile pour vous parce que vous n'avez pas forcément d'explication. Alors, on ne dit pas que c'est de la pédagogie par rapport à l'arbitre. Mais on sait, et le coach l'avait dit précédemment dans l'autre émission, que forcément, si on vient à contester ce qui se dit, ce qui se fait, vous pouvez être averti derrière. Ça peut avoir des conséquences pour les prochains matchs. On comprend aussi la frustration des joueurs de ne pas forcément pester quand il y a une faute qui est non sifflée alors qu'elle doit être sifflée inversement. Ouais, après, on est deux rouspéteurs quand même. Oui, on le voit. On va quand même parler avec les arbitres et tout. Mais après, c'est sûr, il ne reviendra pas sur sa décision, on le sait. On conteste, mais c'est sûr que c'est frustrant. Surtout quand on sait que des fois, c'est litigieux et c'est contre nous. Et quand ça peut nous avantager, ça ne tourne pas encore en notre faveur. Donc, mais comme tu l'as dit, et puis après, je vais finir cette parenthèse-là, même toi, Tom, vous avez la niaque, vous rouspétez comme vous l'avez dit, mais est-ce que à la fin du match, même si c'est sifflé, que l'action est faite et que le match est terminé, est-ce que vous avez des explications? Parce qu'on vous voit beaucoup aller discuter avec l'arbitre. Est-ce que vous avez vraiment des explications honnêtes de la part du corps arbitral? Après, ça dépend des arbitres. Moi, après ce week-end, sur le carton jaune, j'ai discuté avec le juge de touche pendant l'action. Il m'a dit, ça sert à rien que tu t'énerves, laisse-nous, fais-nous confiance. Au final, ça a tourné en notre faveur, on a gagné. Après, non, on n'a pas... Ça dépend des arbitres. C'est appréciable quand même ce que tu me dis là. Oui, oui. S'il y a un arbitre qui
qu'il ait tort ou qu'il ait raison, que toi tu le vois et qui te dit quand même fais-nous confiance, qu'il y a des propos pédagogiques, déjà ça remet un peu, ça vous remet dans un état d'esprit un peu plus serein, même si on peut être pas d'accord avec lui. Alors c'est sûr, si je vais faire le bon conseiller facile sur le terrain, j'étais peut-être encore plus respectueux que vous, mais bon, il faut faire confiance, et je vais le dire d'une manière, je dirais, pesante pour vous professionnels, vous voyez ce que vous me voyez venir. Vous devez faire en sorte de ne pas passer, même si on n'excuse pas des propos, des attitudes de certains qu'on connaît et qui sont impensables d'eux, mais qui l'ont fait, c'est pas la peine de citer qui, on se comprend, mais on est des êtres humains, donc, et il faut que vous essayiez de penser à bloquer et de mettre, comme on dit, une espèce de cliquet qui, à un moment donné, se bloque pour ne pas passer les bornes et aller vers un rouge qui vous pend au nez, qui est obligatoire et qui fera que ça ne fera que pénaliser tout le monde. Voilà, donc ça, c'est je pense, ce que vous dit le coach régulièrement, Tom. Oui, oui, après, il y a des arbitres, par exemple. Quand on vient à 2-3, direct ils sortent le carton et ils disent que l'effet de foule comme ça, l'effet d'arriver tous dessus, ils apprécient pas et ils mettent le jaune direct. Après par exemple quand on prend la situation d'Amiens ou sur le pénalty, on voit tous les joueurs d'Amiens dessus, au final ils changent de décision et en plus il n'y a aucun joueur d'Amiens qui prend le carton. Donc au final, en fait, on a un peu du mal à comprendre les règles et c'est un peu selon les arbitres, selon le caractère de l'arbitre, son appréciation que la situation il va avoir des cartons oui ou non, donc on peut pas vraiment savoir ce qu'on peut faire au final. Ouais, c'est sûr que là tu nous prends l'exemple, ouais. On va dire j'espère que c'est l'exception qui confirme la règle, parce qu'arbitre qui revient sur sa décision, et en plus j'ai un peu plus de mémoire en termes de temps que vous, je parle pas d'expérience, j'ai jamais vu ça. Bah ouais, moi de ma petite carrière, du début de ma carrière, j'ai jamais vu ça non plus. Même à la télé, j'avais jamais vu ça. Après, mais, voilà, mais justement, c'est... même dans ces situations-là, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est dur de garder son sang-froid. Et on remarque aussi, cette action-là, justement, pour revenir à Amiens, cette action-là a conditionné après les faits de jeu dans les autres matchs. C'est-à-dire à partir de là, tout s'est enchaîné. Les cartons rouges, s'est enchaîné derrière. C'est une spirale un peu négative. C'est une spirale négative, exactement, ouais. C'est vrai que ça a fait un peu effet boule de neige, on avait du mal à s'en sortir après ça. Mais bon. Donc c'est peut-être sur ce genre d'action, si on a dû vous le dire et vous le redire, où il faut au contraire tout bloquer et s'en servir pour donner encore plus. Et pas prêter le flanc à, facile à dire, facile à dire. Mais il faut l'avoir en tête. Jean-Baptiste. Anto, on peut faire un point sur toi, sur ton évolution cette année. Tu as été repositionné, comme tu l'as dit, en défense centrale, là où tu as évolué en 17 nationaux ou en 19 ou même en jeune. On te sent plus à l'aise qu'au milieu. Toi, à quel poste tu te sens le mieux, en 6, en 5? Comment tu vois le... Les deux me conviennent, honnêtement. En jeune, je jouais défenseur. Après, des fois, je montais au milieu. Les deux me conviennent. Quand je suis au milieu, j'essaye de courir, de jouer avec mes qualités. Et derrière, on me demande un peu plus de relancer, de jouer les duels à la tête. C'est deux postes différents, mais honnêtement, les deux me conviennent. D'ailleurs, on va parler un peu tactique. Vous, alors la question s'adresse aux deux. Hein. Vous vous sentez mieux dans quel schéma tactique? On sait que le coach avoisine et préfère le 3-5-2. Il y a le 4-3-3 qui est mis en place en cours de match. Vraiment, le positionnement tactique, vous qui vous préférez le plus en tout cas. Après, ça dépend le style des joueurs qu'on a avec nous. Par exemple, je prends l'exemple de VDK. Tout le groupe se sentait mieux à 3 parce que VDK, on sentait que c'était vraiment mieux en piston qu'en latéral droit, par exemple, et il nous apportait beaucoup plus. Mais après, ça dépend de la complémentarité aussi des joueurs. Par exemple, on peut mettre un duo devant, mais ça peut pas marcher. Alors quand tu mets un autre duo avec des qualités différentes, ça va mieux marcher. Donc je pense que c'est un peu par rapport au style des joueurs. Plutôt qu'un système où on préfère jouer avec certains, ou enfin la complémentarité. Et aussi par rapport à l'adversaire. Et aussi par rapport à l'adversaire. Tony, en fonction de l'adversaire, on adapte la configuration. Hein, ouais, c'est ça. Par exemple, on sait que là, par exemple, un Fasciné qui joue en ce moment, on sait que la défense, ça va être beaucoup plus vigilante à la profondeur que si c'est un point d'appui, par exemple. Donc. C'est des qualités différentes et il faut se servir justement des qualités des joueurs qu'on a en ce moment.
Alors justement, on parle un peu de style de jeu, si vous voulez bien. Moi, je vais essayer de parler de tactique globale de jeu, pas le positionnement sur le terrain. Le coach, on le sait, il est amené vers l'attaque, il aime la profondeur, il aime la vitesse. Par rapport à l'an dernier, est-ce qu'on va plus vite, moins vite, pareil, ça dépend? Plus vite... En fait, on a un style de jeu complètement différent. L'année dernière, on avait Franck Magri, qui on sait qu'un ballon dans la surface, c'était but. Là, on a plus des joueurs de vitesse comme Fasciné et Capit. Après, il y a Benji qui est plus un point d'appui, où on sait aussi qu'il aime quand même la profondeur, mais il aime bien les duels. Il faut s'adapter, comme il a dit, aux joueurs qu'on a à disposition. On doit jouer avec nos qualités. Donc cette année, je pense qu'il est... Il est mieux de jouer comme on le fait, mais Fasciné, quand on l'envoie en profondeur, on sait que ben on va gagner 20 mètres. Et je pense qu'il faut jouer avec les qualités des joueurs qui sont mis sur le... Après, je trouve que la différence avec l'année dernière, je trouve que l'année dernière, on récupérait le ballon beaucoup plus haut. Et du coup, on allait beaucoup plus rapidement vers le but aussi. Là, je trouve qu'on récupère le ballon plus bas et donc on met plus de temps aussi à aller vers l'avant. On a plus de mal à se projeter rapidement par rapport à la saison dernière. Patrice, Jean-Baptiste, bon alors moi je vais maintenant projeter, puisqu'on est dans une période, on a eu cette victoire qui nous permet, qui vous permet d'aborder, c'est ce qu'on a vu aussi bien avec le président qu'avec le coach, d'aborder un avenir avec une sérénité revenue au sein du groupe. Moi j'aurais tendance à dire, est-ce qu'aujourd'hui il faut qu'on vous laisse travailler, est-ce qu'on a un peu le temps pour travailler pour que ce groupe retrouve dans sa globalité, avec l'incorporation des nouveaux, je dirais une osmose et une complémentarité. C'est ça en gros qu'on attend de vous. Ouais. Et que vous, hein, c'est ça en gros. Non, en vrai, je pense que on a besoin de temps aussi. On a besoin de temps aussi pour trouver des circuits préférentiels. On a besoin de temps pour trouver encore les certaines connexions entre milieu attaque, milieu et défenseur. Enfin, voilà. Je pense que notre jeu n'est pas encore huilé, je pense qu'on a encore beaucoup à travailler. Le coach, je pense qu'il en est conscient aussi, les joueurs aussi. Donc il y a beaucoup de travail encore, parce que quand on voit la victoire de samedi, c'est une belle victoire qui fait du bien, mais quand on regarde le contenu, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à travailler. Donc ouais, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer quand on gagne, il ne faut pas dramatiser quand on perd aussi. Il faut que nous, dans le groupe, on arrive à trouver le juste milieu pour travailler sereinement, mais travailler efficacement aussi. Allez, il y a un point sur lequel on va conclure. Lors de la dernière rencontre, il y avait l'Union Sacrée, tribune, terrain, vestiaire, partout. C'est la meilleure des réponses. Et avec le résultat qui est à la clé, ça, c'est, je pense que de votre côté, c'est ce qu'on attend de partout finalement, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Ouais, après on sait que c'est notre force de jouer. On sait que quand on va amener le public avec nous, ben on sait que Fourian ça va faire du bruit, ça va impressionner les adversaires, à nous de les emmener avec nous. Et comme on l'a fait ce week-end, où ben, dès qu'il y a un duel, on est tous ensemble, ça met plus le pied, on récupère plus de ballons, on gagne des duels. C'est sûr que c'est une cause à effet, ça emmène tout et ça fait boule de neige. Donc ça amène que du positif quand on fait du positif. Au milieu de terrain, je voulais te poser une question. Au milieu de terrain, par rapport, je dirais, au dernier match, je dirais, parce que je pense que c'est lui qui est sur le match depuis le début de la saison. On en a eu deux qui étaient bien, puis après, on a un peu perdu notre fluidité, pour ne pas dire notre complémentarité. Dans le jeu, comment tu t'es senti là? Est-ce que tu sens que tu as une évolution, toi, personnelle, dans ton jeu? Est-ce que tu sens que tu es peut-être plus capable de monter, puisque l'an dernier, on t'a chahuté sur ce but. Mais je ne sais pas, moi je l'ai senti comme ça, que au contraire, ce but t'a montré peut-être à toi, peut-être personnellement, que tu avais la capacité de pouvoir monter plus haut, du moins, sur le terrain. Oui, après, j'essaye de remplir mon rôle aussi collectif. Il ne faut pas penser qu'individuel. Des fois, bien sûr, que j'aimerais aussi apporter offensivement, mais je sais qu'il faut d'abord penser au collectif et à l'équipe. Pas s'emballer. Et on a déjà des profils de joueurs très offensifs dans le milieu, d'habitude, avec qui je joue. Donc, si moi aussi, je m'ouvre et au final, il n'y a plus d'équilibre et ça nuit pour l'équipe. Donc,
C'est sûr que des fois, j'aimerais aussi me lancer, mais... Qu'est-ce qu'il dit le coach, justement, sur ce... Non, bah après, le coach, il sait que... Enfin, pour lui, je suis son équilibreur, je dois gérer l'équilibre de l'équipe, je dois anticiper les pertes de balles. Donc déjà, quand je joue avec, par exemple, Jus ou Jim, ils sont très... ils apportent beaucoup vers l'avant, donc si moi, j'apporte aussi, il y aurait zéro équilibre, et pour le collectif, c'est impossible. C'est vrai qu'on te voit beaucoup, beaucoup décrocher, même en position de défenseur central, tu fais beaucoup d'efforts dans le secteur défensif. C'est vrai qu'après, si tu marques un but comme tu l'as marqué contre Saint-Etienne la saison dernière, bon, ça peut apporter un plus, et ça permet aussi à ce que toi, au niveau de tes statistiques, tu puisses augmenter au niveau de tes buts, mais c'est vrai qu'on te voit énormément décrocher, tu ferais beaucoup d'efforts défensifs. Ouais, c'est ça. Après, il faut aussi que j'apporte offensivement. Il faut que j'essaye aussi de trouver peut-être le juste milieu entre la défense et l'attaque et mon apport offensif. Après, voilà, quand on a besoin de moi dans l'axe, je redescends dans l'axe. Enfin, voilà, j'essaye d'être placé là où l'équipe a besoin de moi. Donc, j'essaye de faire ça au mieux. Lucidité, donc. Anthony, pour conclure, parle-nous un peu de ton intégration de manière régulière et la confiance que te donne le coach là où tu es positionné. Comment tu vois, comment tu le ressens, comment tu te ressens, comment tu te sens actuellement? Mais après, ça avait déjà commencé à la prépa. Il m'avait déjà un peu fait descendre. J'essayais de prendre mes marques sur les matchs amicaux et au fur et à mesure, il m'a fait jouer, il m'a laissé. Et après, on commence à avoir de la complémentarité avec les joueurs avec qui on est. Dramé, Bonnert, on se comprend un peu plus. Maintenant, il y a Sheik, Keita. Donc c'est sûr, après, au fur et à mesure du temps, on prend ses marques et on se lâche plus, on a un peu plus confiance. Qu'est-ce qu'il te dit, le coach, si c'est pas indiscret? Qu'est-ce qu'il te donne comme, je dirais, chemin principal, comme tu dois entendre, il y a des mots qui doivent te marteler pour qu'ils te marquent, pour que tu te corriges et ainsi de suite, sans rentrer dans les détails, je dirais, de l'entraînement. Parce que je suis sûr qu'à chacun, il essaye de vous insuffler des données particulières. Ben, comme il m'avait dit contre Valenciennes, quand il m'a lancé cette saison, il m'avait dit, ben, j'attends de toi ton côté agressif et à la fois que tu fasses le lien entre la défense et les milieux avec eux, donc leur transmettre le ballon. Et après, il faut que je joue avec mes qualités comme je l'ai toujours fait. C'est-à-dire, moi, je sais que je ne suis pas celui qui va mettre des petits ponts, mais je dois relancer à mes milieux. Et quand la balle elle vient vers nous pour défendre, et c'est à moi de l'intercepter. Mais je ne sais pas si c'est moi qui transpose mal. Je te vois sur certaines situations, je sens que tu te raisonnes pour avoir une vision plus large et pas te précipiter et faire une distribution de balles qui soit aérée dans le sens va éloigner le danger et en étant pertinent en termes de passe. Je sens que là-dedans, tu es dans une progression, ne fût-ce que dans ta réflexion. Oui, après, c'est au fur et à mesure, on apprend des erreurs qu'on a fait ou des fois, je relançais un peu trop vite ou il fallait calmer ou l'inverse. Donc c'est à moi de trouver le juste milieu et au fur et à mesure de jouer, je prendrai ces marques-là, quoi. Un mot sur ce genre de réflexion personnelle presque intime, mais dans le jeu et pour mettre en application les conseils. C'est quoi, toi, les mots que t'insuffle le coach? Après, on conclura. Non, bah après, aussi, on a certaines, je dirais, convictions personnelles où on sait ce qu'on doit faire aussi individuellement pour progresser, on sait nos axes de progression. Le coach, il n'a pas forcément besoin de dire aussi à tout le monde les axes de progression. Je pense qu'on est des footballeurs professionnels, donc on sait sur quoi on doit travailler. Et, par exemple, que ce soit l'hygiène de vie plus globalement ou alors sur certains aspects du jeu. Donc voilà, après, c'est à nous de travailler, c'est à nous de bosser nos points faibles et de perfectionner les points forts. Mais voilà, si on a cette mentalité de travailleur, on peut que progresser de toute manière. Tom Ducrot, Anthony Roncaille, Patrice, Jean-Baptiste, mais écoutez, je pense qu'on vous remercie encore d'avoir été parmi nous sur Énergie Corse et Agourciga TV. Vous le savez très bien qu'on est derrière vous, derrière le Sporting, Forza Bassi, et merci encore. Merci à vous.